Oui, je parlais de Victoria en ouverture d'émission en lui disant que l'international gymnique, c'est vraiment sa compétition dans laquelle elle a toujours brillé. Elle n'a pas eu l'occasion d'avoir vraiment beaucoup aujourd'hui, même pas du tout. Alors, on espère pour elle que ça a bien été jusqu'à présent et que son exercice à la poutre sera bien pour elle. En février dernier, elle a remporté la médaille de bronze à Élite Canada à la poutre. C'est la série acrobatique arrière. Mais non, mais non, mais non, mais non. Alors, on parlait tout à l'heure d'une main de fer dans un gant de velours. Là, sur la réception, elle était beaucoup trop offensive. Donc, elle est partie très, très fort sur la Sierra Cro, mais avec beaucoup trop d'intensité au moment de la réception. Elle était tellement déportée, tellement d'élan, tellement d'énergie. C'est bien repris sur le double tour, qui est un élément complexe. Bon, c'est avec le sommet avant, sans les mêmes. Elle aurait ici dû enchaîner avec le saut pour aller chercher la bonification dedans. On compte, ça m'a fait trois éléments consécutifs, donc elle serait allée chercher des bonifications. Malheureusement, elle ne pourra pas l'avoir. Le salto latéral ici. Tout à l'heure, à l'échauffement, je l'ai vu du coin de l'œil qui était magnifique. Là, une perfection, aucun déséquilibre. Mais là, lorsqu'on s'est tenté de le faire, bien, les nerfs nous empêchent de le faire avec autant d'aisance. On se retient un petit peu. Alors, comme ça, elle a essayé de se retenir. Hein. Tout à l'heure, on parle de chute sur l'engin. Ça, c'en était un exemple. Donc, elle a mis les mains, elle a essayé de se retenir. Donc, à ce moment-là, ça compte une erreur majeure. Prépare pour la sortie, la rondade et la double.